J'ai que l'épée. Oh mon dieu! Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Nuclear Game. Je suis Alex et je suis dans cet épisode tout seul. Donc cet épisode va se découper en deux parties. Donc la première partie qu'on va faire tout de suite, ça va être un peu la visite, la mise au point, parce qu'on a beaucoup avancé depuis la petite pause qu'on a eue, parce que l'épisode aurait dû être autrement, ça aurait dû être des interviews qu'on n'a pas réussi à faire. Donc du coup, pour pas vous laisser sans rien, on a quand même avancé, et donc je vais vous montrer un peu le fruit de notre labeur. Donc dernier épisode, on venait là de ce trou qu'on vient de voir. Derrière moi, du coup, là, ce que je vous montre, c'est Tita là qui vient de... On voulait faire un quartier bourgeois, que Tita vient d'explorer, et du coup, ben, a priori, il y a une mine, donc j'en sais pas plus, je viens de voir ça en fait avant de tourner. Et donc, je vais vous montrer un peu tous les changements, je vais me rééquiper. La seconde partie, elle, va comporter la construction d'une petite machine qui servira vraiment que pour le roleplay, c'est-à-dire qu'elle n'est pas utile, mais disons que pour un côté roleplay, créer une salle avec des petites machines dedans, voilà. Donc premièrement, la ferme a beaucoup grandi, avec un nouveau design aussi. Vite fait, hein. C'est pas de l'énorme, mais voilà, j'ai un peu tout refait, que ça soit un peu plus joli, les genre les fenêtres avec le bois style Moyen-Âge. Donc, un champ en plus de blé, un deuxième sera ici, toujours avec le design, je sais pas pourquoi je fais ça, je trouve ça classe, ça fait un peu plus futuriste, on va dire. Donc voilà la petite terrasse du fermier. Alors ensuite, nous avons en construction actuellement, ça c'est moi qui m'en occupe, j'ai creusé ici une boulangerie, donc où le petit fermier va nous mener son blé ici, pour la boulangerie du coin, ici ce sera la petite terrasse, et petite nouveauté, enfin du coup ça fait vraiment la petite rue. Cet endroit, je sais pas si je vous l'avais montré, c'est là, oh coucou petit Slim. C'est l'endroit où, en fait, quand on a fait, en fait, le but, c'est qu'on fasse des interviews de youtubeurs et qu'ils nous laissent une petite trace d'eux. Donc ici, ce sera la salle où ils laisseront leur trace. Voilà. Là-bas, je vous montre pas parce que la machine est déjà faite. J'ai déjà tout réajusté pour que ce soit un peu plus opérationnel. Changer le design, donc ça, je vous montrerai l'encart en fin d'épisode. Qu'est-ce que nous avons de mieux? La salle du off, ouais. Je rajoute un petit coffre comme ça. Non, même pas. Je croyais. Sérieux. Bon, bref. Ah oui, petit design ici. Donc, j'ai décidé de faire des arches. Je vais en mettre après un peu partout. Hop, inspiré de base de Toy. Pour ceux qui connaissent. Ensuite, ici, c'est devenu un bar. Anciennement, donc ici, c'était un peu notre salle des coffres. J'ai voulu faire un style, une arche, avec du coup le bois qui soutient un peu, donc poutre. Il y a encore quelques coffres, hein, qui traînent. Donc, nous avons les toilettes. Petit truc, bon, je vais rajouter de l'eau là, histoire de dire. J'ai fait exprès de laisser les pierres là, sauf celle-ci. Ça fait un peu plus style, les pierres travaillées pour dire hein, c'est devenu un chiotte. Pas de seau à caca. Ici, c'est privé staff only, c'est-à-dire que nous avons un petit sous-sol où je vais mettre, je vais construire des barils en bois pour faire genre couler la bière. Pour igloo. Oh, oh. Bonjour. Do you want to die, bitch? Je crois que je lag un peu. Donc ça, c'était Skeletor. A priori, il va bien. On va continuer en bas. En haut, je crois qu'on a tout vu, oui. Alors, en bas, pareil, modernise. Zone minière, ce sera la zone pauvre. On va faire deux zones distinctes. Ici, c'est un peu la limite. Et donc, on va créer plus tard ici une police frontière. C'est ce que Tita me demande. Ce serait pas con de faire ça, là, a priori.
Moi, du coup, j'agrandis le coin à bois. Donc ici, ça fait la vente de bois, on va dire. Et la zone qui a grandi. Et mon arbre qui n'a pas poussé. Il n'a pas assez de hauteur. Cool. Merde. Voilà, donc cool. Il faut que je fasse un échafaudage et que je grandisse tout ça. Sinon, on a du bois. C'est cool. Ici, j'ai pas replanté. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est pas fini d'être construit. Hein. C'est en cours. Parce que je veux pas vous faire des épisodes où je construis, parce que c'est beaucoup de minage. Je vais que dire parce que. Et c'est chiant. Et donc voilà, beaucoup de minage, je perds vachement de temps là-dessus, et j'ai pas envie de vous faire galérer avec ça. Donc voilà, j'ai tout bien agrandi, tout beau. Alors j'hésitais aussi de faire un truc, laisser qu'un bloc de terre, creuser, mettre de l'eau, récupérer tout et faire remonter le tout, ça ferait un peu plus design, on va dire. Mais non. Parce que finalement j'aime bien, ça donne un petit côté forêt. Même si voilà, il n'y a pas besoin de toutes ces lumières, ça donne le petit coin. C'est sympa. Et pour finir, on va aller donc dans la zone en bas. Alors là, à mon avis, le coquin de Tita, pour être poli, il s'est mis en créatif parce qu'on n'a pas de verre, surtout du verre coloré. Donc je vais lui dire, enlève-moi ça de suite. Et après, bon, bah, c'est le bois, on en a, donc logiquement, ça c'est tout ce qu'il avait réutilisé. Ça c'est moi qui ai fait un premier petit design, petite maison de pauvre. Bon, il n'y a pas vraiment le design, hein, faut que je refasse le mur. Est-ce que je vais mettre de la terre en dessous? Je sais pas trop. Hop, à la bonne pioche, ce sera la vente de pioches, donc et d'outils, et ça donne accès à l'autre mine. Il y a deux mines en bas. Bon, je vais peur de me perdre, donc on ne va pas. Et du coup, pour vos yeux ébahis, avant la construction de la machine, on va monter, jeter un petit œil dans la mine que Tita a découvert. Juste aller là-bas. De toute façon, on y reviendra dans le prochain épisode là-dessus. Alors, attention, mine découverte, ressources positives. Déjà, il y a de l'or là, c'est intéressant. Et pour la suite, eh bien, pour ça, je vous donne rendez-vous au prochain épisode accompagné de Tita pour que je vous visite cette mine avec lui, hein, ce sera plus simple. Et donc tout de suite, on se retrouve pour la construction de la machine, qui est un ancien épisode que j'ai fait qui était trop court. Et pour se dire au revoir, ben, on se revoit quand je vous montre le nouveau design des machines là-bas. Et nous revoici donc dans la fameuse salle que je vais faire en fait, donc des petites machines comme vous pouvez voir là. J'ai pas réussi à l'optimiser à 100%, c'est-à-dire que j'arrive pas à faire marcher tous les fours, mon train va trop vite. Alors pour vous expliquer un peu le principe, donc vous allez voir, on gagne pas vraiment de temps, hein. Vaut mieux mettre à cuire directement, mais bon, c'est vraiment pour le côté roleplay. Donc voilà, on monte ici, on va foutre sa cobble ici, exemple, voilà. Donc du coup, la cobble descend. Dans le hopper, enfin, c'est un train avec un hopper, donc ça coule dedans, et quand on allume, pouc, ça va faire des allers-retours. Ce qui va permettre donc à notre four de marché, qui n'a bien sûr pas de charbon. Donc en bref, hein, vous voyez le principe. Tac, voilà, allez, hop, on coupe en 4, soyons fous. Tac. Donc rien n'est automatique pour le charbon, c'est tu te démerdes. Bon, bref, donc ça cuit. Une fois que c'est cuit, ça arrive ici et ça nous fait tout cuire. Voilà, il suffit d'aller après l'arrêter derrière. Donc je fais ça vraiment pour construire une salle, ça fera un peu plus fun. Petite déco que j'ai fait à la Walligan. Hein. On dirait plus des fours à pizza. Mais bon, voilà, machine numéro 2, machine numéro 1. Côté bois, je pense que ça fait plus joli. Donc ben, aujourd'hui, ça va être le but de l'épisode. J'ai plus de rail accélérateur, donc ça, je le ferai hors caméra à la fin. Pas de raison que ça marche pas. Hein. Donc voilà, le principe, vous l'avez. Et on va construire de suite une nouvelle machine. Par contre, ce sera légèrement décalé. Parce que là, en fait, il manque, on va dire, un petit poteau que je vais remettre ici. Allez, on est parti! Quoique, je vais peut-être vider en fait mes affaires avant. Allez, on se retrouve pour la construction de la machine. Allez, donc tout de suite, la construction de la machine. Profondeur, par contre, j'ai pas calculé ça. Seulement 4. Donc on va la faire s'arrêter là. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok.
Voilà. On passe le bonsoir à mon chat qui, derrière, vous devez certainement l'entendre. Tac! Donc, du coup, en fait, 5, oui, parce que 4, notre 4 et 5. Voilà, c'est tout beau. Donc, on va placer de suite nos 4 coffres, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Je vais vous faire un bloc au début, hein. Je vais pas faire la déco, je la ferai ça au final en off. Ou peut-être si vous voulez que je vous la montre, si j'ai le temps, je vous la ferai, mais ça après c'est à vous de décider ce qui, si vous aimez ou pas, hein, parce qu'il n'y a rien de vraiment de grandiose. Voilà, donc je préférais faire au début juste un bloc pour montrer un peu le principe de comment je l'ai faite, sait-on jamais, hein. Il peut y en avoir que ça intéresse, je pense pas, mais bon. Ok, donc ensuite, il fait sombre, c'est pas très cool. Voilà, c'est bien. On va pas prendre le risque d'avoir des petits monstres. Ah, le plafond aussi, il va falloir que j'agrandisse plus tard. Parce que j'aime pas que la machine touche le plafond. Je préférerais lui faire un plafond moi-même. Enfin, faire un plafond à la machine. Vous m'avez compris. Donc, mes escaliers sont à la fin. Donc, ils seront là. Je vais pas avoir assez de stone brick. Parce que je n'avais pas cette partie à faire sur les deux premières. Heureusement qu'on a les fours là-bas. Alors ensuite, il y a même plusieurs parties qu'il n'y avait pas. On va monter tranquillement. Voilà. Ça commence déjà bien. Vraiment, vraiment pas avoir assez de stone brick. Dans le dernier épisode que j'ai sorti dernièrement, du coup, parce que j'ai oublié que je l'avais pas sorti, c'est pas bien, pas sérieux. Je vous disais que normalement cet épisode aurait dû être spécial de par une nouveauté de la chaîne normalement. Ben, ce n'est pas le cas parce que donc c'était les interviews de certains youtubeurs. Donc je suis en contact avec certains, mais malheureusement ben, ça prend du temps parce qu'ils sont difficiles à contacter, ils ont autre chose à faire. Donc du coup ce sera faisable, mais je voulais pas vous laisser en plan pour faire l'épisode spécial. Je me suis dit, allez, hop, on fait les fous, on leur fait un épisode. Donc, le voici, le voilà. Avec beaucoup de retard par rapport à ce que je voulais. Hop, bon, on continue. Donc, on va attaquer par l'étage. Et 3. Ouais, j'ai réussi à les placer, sans fail. Tac. Voilà, donc après, hein, ce sera changé en bois en haut, comme sur l'autre machine. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est tout beau. Donc, non. Tac. J'espère que je fais pas des bêtises là, ça sera après, je vais dire, eh non, faut tout que je recommence, c'était pas comme ça. Déjà je me bloque, tout va bien. Alors, tac.
Coucou les petits fours. Enfin, je prévois plus de 3 stacks de stone. Oh, petit mail. C'est des choses qui arrivent toujours en épisode. Tac, qu'est-ce qu'on fait? On va se brancher de suite au coffre, comme ça c'est fait. Donc système, hein, c'est vraiment rien de plus simple. Donc on va prendre là les 4. Tchouk. Tchouk, tchouk. Alors, pour ceux qui découvrent peut-être Minecraft, pour les coller contre le coffre, parce que sinon ils s'ouvrent, il faut faire Shift pour s'accroupir et ensuite vous pouvez placer votre hopper contre. Rien n'a pris à personne, je pense. Mais en même temps, nous avons 20 vues par épisode, je ne crois pas qu'on touche un public de Minecraft. Ou très peu. Hop, voilà, tac. Bon, on fait vraiment ça pour le plaisir. Sinon, on aurait déjà abandonné, je crois. J'ai prévu les fours. C'est pas beau, j'ai vraiment tout prévu. Spéciale dédicace si vous entendez derrière les crapauds, je vois bien parce que ça commence à être horrible. Allez, je suis de retour. Par contre, je les entends encore, même avec le double vitrage, c'est affreux. Les crapauds, c'est le mal. Tac, bon, ça commence à ressembler déjà le bas à quelque chose comme ça devrait ressembler. C'était plein. Et ouais, là du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Minecraft vu que j'étais occupé avec Unity Fox. Donc ça fait plaisir de reprendre un peu. Hop. Et du coup, je reprends un peu les bases. Bon, du coup, on va faire beaucoup de off parce qu'on veut agrandir un peu tout pour. Parce que là, on galère trop. Si on voulait tout faire en caméra, c'est pas intéressant. Vous avez autre chose à foutre. Alors, ici, il me faut aussi des hoppers. 4 aussi, merci. Tac. On surélève ici. Ok. Est-ce que je fais de la mouise? Non, pas encore, pas tout à fait. Tac. Pour le moment, tout va bien. Donc, comme je vous l'ai dit, la déco, ce sera plus tard. On pètera ces blocs. Pas vraiment l'utilité. Voilà. Ok, on continue de monter. De toute façon, là, je peux monter jusqu'en haut. Ouais. Non, la machine ne va pas jusque là-bas. Hop. Est-ce que ça se sent que je joue sur Mac pour la molette? Que vous voyez que j'ai galère à sélectionner mes stone bricks. Voilà. Attention, miaulement de chat. Je pense. Je ne peux pas sortir. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ensuite, alors, donc le tac, il me faut un hopper ici. Emmerdé. C'est ce que je pensais. Bon, hop, ok, c'est pas grave. On va mettre le coffre. Donc hopper, le coffre ici où on met notre stone. Ici. Non, il est tombé. Dans un four. Attention, le jeu de la chance, lui. Champion. Voilà. Comme ça tombe droit. Ici. Il faut mettre une oreille, mais pas ici.
Bien sûr, c'est tombé là où je voulais pas. Allumez les fours. Voilà, donc il manquera les rails accélérateurs. Hop, mon petit rail, il est là. Donc le train, ça va être là et là. Pour ça, on fera une déco là derrière, mais dans tous les cas, ça vous me le confirmerez, je présume. Mais normalement, si je mets un escalier derrière, après, il ne se démarrera pas. Donc il faut que je mette un bloc plein. Ce que j'ai fait du moins pour les autres, parce que dès que je mettais un escalier, il ne démarrait pas. Il restait bloqué. Donc voilà. Il faudra mettre trois boulons, trois manivelles que j'ai pas. Ça et ça va ensemble. Hop! Et finalement, nous avons une machine opérationnelle. Enfin, celle-ci, encore en travaux. Mais vous avez compris le principe. On met, tac, ça tombe. On mettra les leviers ici, tac, tac, tac. Et ça tombera que dans deux fours. En fait, voilà, ce que je voulais essayer de faire, c'était le bloquer au milieu, que tout tombe dedans. Et comme ça, quand il fait les allers-retours, ça peut mieux dispatcher. Seulement, dès que je l'arrête ici, il va dépasser soit là, et ça va tomber dans le four. Et du coup, c'est la mouise. Mais sinon, on a notre machine, qui est quasi finie. Du coup, tac, on peut fermer le bas, plus besoin. Oh, le gaspillage. Le gaspillage revient là. Voilà. Il manque plus que la petite déco devant. Et on est bon. Donc voilà, on se retrouve après la construction de plusieurs machines. Mon dernier design est ici. Beaucoup plus compact. Parce que bon, ça sert à rien finalement d'en mettre 4. Donc finalement, je me suis retapé les autres machines. Celles qu'on a faites, qui étaient tout à l'heure. Que vous avez vu la construction alors que moi je l'ai fait il y a un moment. Et donc voilà, beaucoup plus petit, beaucoup plus classe, enfin, ou pas. Voili, voilou. Donc, pierre, fer. Ici, c'est pour les briques du Nether. Et celle-ci, ce sera pour l'or, je pense. Non, c'est pas pour faire des fours. Ça se coupe pas. Il y en a encore. Là. Voilà, bon, ben, sur ce, vous avez tout vu. Il est temps de se dire au revoir. On se retrouve au prochain épisode avec Tita. Et puis on va se manger un bon petit morceau de pain parce qu'il fait faim. Avec ma belle combinaison. Nom 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 nom. Ah mon Dieu! Et on se dit rendez-vous au prochain épisode pour la visite de la mine de Tita. À bientôt!